Bienvenue dans votre émission Remue Ménage. Nous avons un son de mardi. Investiguez. Lisons Psaume 50, versets 14 et 15, Philippiens 4, les versets 6 et 7, Jérémie 33, verset 3, Éphésiens 6, verset 18, Proverbe 28, verset 13. Psaume 50, les versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes œuvres envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Philippiens 4, verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui, Ménège, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets aux promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Jacques 5, les versets 13 à 20? Au revoir. Et à demain, si Dieu veut. Remue Ménage. Remue Ménage. Remue Ménage.